Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vous conte un conte de sagesse. Chance ou malchance, qui peut le dire? Il y avait dans un village un homme très pauvre qui avait un très beau cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter. Mais il refusait toujours. Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami? Demandait-il. Un matin, il se rend à l'écurie et le cheval n'est plus là. Tous les villageois lui disent: On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre. Maintenant, on te l'a volé, quelle malchance! Le vieil homme répond: Chance, malchance, qui peut le dire? Tout le monde se moque de lui. Mais 15 jours plus tard, le cheval revient avec toute une horde de chevaux sauvages. Il s'était échappé, avait séduit une belle jument et rentré avec le reste de la horde. Oh, quelle chance! Disent les villageois. Le vieil homme et son fils se mettent au dressage des chevaux sauvages. Mais une semaine plus tard, son fils se casse une jambe à l'entraînement. Quelle malchance! Disent ses amis. Comment vas-tu faire, toi qui es déjà si pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus t'aider? Et le vieil homme répond: Chance, malchance, qui peut le dire? Quelque temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arrive dans le village et enrôle de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme qui a la jambe cassée. Oh, quelle chance tu as! Tous nos enfants sont partis à la guerre et toi, tu es le seul à garder avec toi ton fils. Les nôtres vont peut-être se faire tuer. Et le vieil homme répond: Chance, malchance, qui peut le dire? Voilà, j'espère que ce conte de sagesse vous aura plu et je vous retrouve dès demain. Au revoir les amis contes.